Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans la Pensée des Critiques, j'ai le plaisir de poursuivre avec vous mes spéciaux jeudi Brian De Palma, bah oui, on va le dire comme ça, hein, spécial De Palma, donc toujours inspiré par la merveilleuse rétrospective en trois temps réalisée par David de Fintalker et Merej sur ce réalisateur qui me passionne de plus en plus. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter ma découverte d'un de ses métrages les plus connus finalement, enfin du moins l'un des plus reconnus, Pulsion, sorti en 1980. Dressed to Kill en VO, un peu plus de gueule quand même, tiens, ça me rappelle un album de Kiss d'ailleurs, je sais pas si c'est pas inspiré, je crois que je vérifie les dates, enfin d'une manière ou d'une autre. Un thriller érotique et psychologique, oui, j'ai bien dit érotique, on va y revenir, avec au casting un certain Michael Caine dans le rôle d'un docteur, Angie Dickinson, Nancy Allen et aussi Keith Gordon, que vous avez pu voir dans le fameux Christine de John Carpenter. Alors, quelle est l'histoire de ce métrage? Celle au début d'une femme qui a la cinquantaine et qui est frustrée sexuellement, voilà, son mari ne lui donne plus de plaisir, donc elle cherche un petit peu à s'ouvrir là-dessus, et un beau jour, alors qu'elle est dans un musée, elle fait la rencontre d'un inconnu, et elle va se laisser séduire, et puis finalement, ce monsieur va lui donner ce qu'elle cherche. Sauf que voilà, il va se passer malheureusement des choses suite à cela. La dame va se retrouver en danger, mais en danger de quoi? Bonne question, parce qu'en fait, ce film nous propose un tueur, voilà, sans en dire plus, qui non seulement est déguisé en femme, mais pas vraiment. Il est en train de se transformer en femme, oui, par volonté propre. Donc c'est l'histoire d'un transsexuel tueur qui va donc faire ses méfaits. Et on va suivre une certaine enquête entre deux personnes qui vont s'associer afin de savoir qui est derrière tout cela, mais aussi pour se protéger d'une manière ou d'une autre. Une personne jouée par Nancy Allen cherche plutôt à se protéger parce qu'elle a été témoin de quelque chose, alors que l'autre personne, eh ben, c'est le fils d'une des victimes, si on va dire, voilà, sans en dire plus. Et voilà, j'essaie de pas trop spoiler parce que il se passe des trucs dans le film très tôt qui sont assez surprenants. Donc ça, c'est déjà bien. Et évidemment, ce Pulsion est une nouvelle fois, comme beaucoup de films de De Palma dans les années 70-80, un véritable hommage vibrant et brûlant à Alfred Hitchcock. Ici, on a une sorte de mix entre sueur froide, vertigo, et psychose, surtout psychose. Bah oui, un homme qui se déguise en femme ou qui veut devenir une femme, ça vous rappellera peut-être quelque chose. Je vais pas en dire plus, parce que sinon, je finis par en dire trop sur psychose. Voilà, ça a été mon petit problème, parce qu'avant de découvrir ce film, il y a des années et des années, j'ai été spoilé, donc je vais éviter de le faire ici si vous ne connaissez pas ce grand chef-d'œuvre du cinéma, évidemment. Et évidemment, psychose, par rapport donc à l'histoire, mais qui va beaucoup plus loin, c'est une sorte de version plus moderne, parce que je crois que c'est la première fois qu'un film hollywoodien nous propose un personnage transsexuel, on va dire, dans le contexte d'un thriller. Bon, il y a eu certains Lem Show, mais c'est pas vraiment de la transsexualité, c'est des hommes déguisés en femmes. Après, il y aura Tootsie, mais c'est pas pareil. Ouais, et là, quelqu'un qui veut vraiment devenir une femme, et à cause de certains soucis dans voilà, le côté doppelganger de la personne, quelques pulsions meurtrières au passage, peut-être. Voilà, ça, je vous laisserai regarder le film pour en juger. Et donc, au-delà donc de la modernisation d'un des grands films de Hitchcock, il y a aussi des scènes qui rappelleront forcément ce long métrage, notamment alors un meurtre dans un ascenseur, et on peut faire vraiment la transposition entre cet ascenseur et la douche dans Psychose, évidemment, avec même des plans qui vraiment, c'est très comme le faisait le maître du suspense. Sauf qu'ici, évidemment, c'est pas sous l'eau, c'est avec un rasoir qui tranche la gorge, avec le sang qui gicle sur les étages qui défilent. C'est brillant, et il y a des mises en scène comme ça très fortes. Hein. Brian De Palma, hyper inspiré là-dessus. Alors, toujours, comme d'habitude, il n'y a pas un mauvais métrage que j'ai vu sur le plan de la mise en scène de ce monsieur, mais là, c'est brillant. Tout est très, on va dire, fait avec minutie. Il y a aussi un énorme jeu de lumière à certains moments. Enfin, on voit quand même que sur le placement des caméras et sur l'éclairage, c'est grandiose. Ça a dû être, à mon avis, pensé plusieurs fois et même refilmé le temps qu'il soit, à mon avis, satisfait. Je ne sais pas s'il était aussi tétillon qu'un Kubrick, par exemple, mais j'imagine que c'est possible. Et franchement, c'est brillant. Voilà un métrage qui est très fort. Alors, après, il faut accrocher. Voilà, le côté thriller érotique, dès le début du métrage, plan-séquence qui installe bien les choses, et pouf, qu'est-ce qu'on a? Une femme sous la douche, donc Angie Dickinson, qui a la cinquantaine, et qui se savonne jusqu'à se tripoter de minou, hein, il faut dire les choses comme elles sont, voilà, il faut appeler un chat,
Ouais, celle-là, j'aurais pu ne pas la sortir, mais voilà, c'est assez fort quand même. C'est la première fois, je pense, dans un film hollywoodien qu'on va aussi loin. D'ailleurs, le métrage a été interdit au moins de 18 ans, je crois, avant sa sortie aux États-Unis, ou 16 ans, 17 ans. Enfin, ça a été très compliqué de le sortir tel quel. Il a dû être peut-être un peu édulcoré dans certains pays. Mais ouais, c'est bien osé. C'est quand même très drôle parce qu'au début du film, t'as l'impression d'être dans une sorte de film qui passait à l'époque en deuxième partie de soirée le samedi soir sur M6. Bon. Je donne cette anecdote, ça veut pas dire que je regardais, mais voilà, c'était assez connu quand même. Et ouais, sauf que quand même, disons, ouais, c'est presque un peu kitsch, ça fait kitsch, mais très vite, tu vois que c'est assez fantasmagorique et que ça va beaucoup plus loin, évidemment, et qu'après le scénario, bah, il a une autre gueule que ces métrages-là, évidemment. Puis il y a d'autres choses qui sont très, très attraits au cinéma de Palma, donc ce plan séquence-là, quelques split screen aussi, un moment où donc le personnage Angie Dickinson se rappelle que là où elle a couché avec l'inconnu, elle a oublié sa bague, et dans ses souvenirs, on a le flashback mémoriel qui apparaît sur la, alors oui, la gauche, oui, la gauche de d'écran, alors qu'elle est là et tout, et ça va forcément causer certains problèmes parce qu'elle doit revenir là où elle n'aurait jamais dû revenir. Bon. Et c'est assez fort parce que bah il y a un développement psychologique des personnages. Bon, le souci c'est que j'ai une nouvelle fois très vite deviné, c'est pas la première fois avec un De Palma d'ailleurs, ce qui viendra au niveau du twist final. C'est assez grossier d'une certaine manière, mais bon, ça fonctionne. Et puis il y a le deuxième twist après le twist, parce que voilà, ça c'est le genre de métrage, vous avez un twist, paf, et puis on pense que ça va s'arrêter, mais non. Il y a un autre twist derrière qui est assez étrange, assez particulièrement onirique aussi, et qui est très beau. Voilà, le dernier plan, enfin les derniers plans, l'avant-dernier plan avant le dernier plan, est assez spécialement beau, avec un plan zénithal qui monte comme ça. Et c'est fort, voilà, c'est un film qui est très fort, je pense que c'est un des deux Palma qui va me marquer. J'étais pas loin de monter à 9, mais ça veut dire que le sujet en tant que tel, sur son développement, côté thriller, en cherche et tout, avec le danger qui menace, c'est assez convenu, c'est très Hitchcockien une nouvelle fois, mais ça va vraiment loin ici. Il y a même une scène dans un musée au début, donc quand elle rencontre l'inconnu, ça rappelle une scène dans Sueur froide, dans Vertigo, hein. C'est assez marrant quand on observe des peintures comme ça, voilà. Donc oui, c'est un grand tribute, hommage à Hitchcock, mais ici, De Palma en fait quelque chose de plus fort peut-être, enfin surtout plus moderne et plus axé à, par rapport à son époque, et même, on va dire, avant-gardiste d'une certaine manière. Donc c'est un très bon film, je mets un très gros 8 à ce métrage, et un très bien sur Captain Watch. Évidemment, je vois pas comment je pourrais mettre autre chose et moins bien, tout simplement. Bref, je vous conseille ce Pulsion si vous ne l'avez pas vu. Quant à moi, je vous dis à la prochaine. Ciao.